Bienvenue à la boutique Potemkin dans le cadre de nos rencontres. Ce soir, on est très heureux d'avoir avec nous Gaspard Noé, qui est l'ami de la boutique, on peut dire ça quand même, tu connais la boutique depuis. Il achète souvent des DVD ici. D'ailleurs, il a mis sur la table d'entrée 30 DVD qu'il a sélectionnés. Voilà, il faudrait qu'on assiste. Est-ce qu'on a rajouté Salo et 2001 ? Alors, on n'a pas rajouté Salo et 2001, yes, mais on va rajouter Salo et 2001. C'est les deux principaux. Mais hier, il y avait quelqu'un d'autre qui a mis son top 10, il y avait les deux. André Labarthe. Du coup, hier, j'ai pas pu les mettre dans la sélection pour l'heure. D'accord. Donc, je ne te présente pas, ou si, alors, 4 films, Seul contre tous, Irréversible, Enter the Void et Love. À chaque fois, moi je t'ai découvert Seul contre tous, je me souviens encore de la séance, je me souviens encore de la tarte que je me suis prise. Et là, Love, pareil. Voilà, il y a tout ce chemin qui est fait et encore une tarte qu'on se prend avec les films. Une tarte ? C'est pas une tarte. J'ai l'impression que tu racontes, c'est toujours les mêmes histoires, tu racontes toujours des histoires d'amour en fait. Ouais, mais je pense que celui-là, c'est le plus sentimental de tous. Les autres, c'est aussi le plus terre-à-terre de tous les films. Les autres, ça parlait de choses qui existent dans la vie, mais que j'avais pas peut-être expérimenté moi-même, ou mes amis, etc. Peut-être l'autre film qui, je dirais, Seul contre tous, m'était proche, dans un sens où j'étais surendetté au moment où j'ai fait le film, et que je travaillais un peu de la tête comme le boucher dans le film, sauf que j'étais pas boucher chevalin, j'étais fils d'un théo argentin à Paris, mais tout le système de pensée qui peut mener à une espèce de haine de l'autre, vous le connaissez bien. Irréversible, c'est plus un braquage de banque qui s'est produit. Raconte-nous l'histoire d'Irréversible quand même. Comment... Qui s'est fait en réalité à l'époque, je voulais tourner Enter the Void parce que, ayant pris des substances hallucinogènes, je me suis toujours dit qu'il y a peu de films qui représentent l'état d'esprit dans lequel on est, ou l'état de perception dans lequel on est quand on est défoncé aux champignons, aux LSD ou des choses comme ça. Je me suis dit, tiens, ce serait bien de voir un film comme ça. Sauf que ça demandait beaucoup d'effets visuels, très chers à l'époque et peut-être un peu moins chers par la suite. Mais, ça t'a pris 5 ans quand même, je crois. Oui, mais en réalité, après, Seul contre tous, je voulais vraiment faire Enter the Void, mais j'étais pas crédible commercialement. Le film n'était pas finançable commercialement non plus. Je me suis dit, il faut que je trouve un projet facile à tourner à Paris, que je pourrais produire ou que je produirais avec d'autres gens, et qui soit porté de match. Je me suis dit, c'est une très bonne idée de faire un mélo érotique qui ressemble un peu aux histoires d'amour que tous les gens de 20 ans ils ont dans leur vie, où tout d'un coup tu promets la lune, et après la lune, elle n'arrive pas. Et le projet s'appelait Danger alors à l'époque. Le projet s'appelait Danger, et je voulais le tourner en me disant, voilà, il y a peu de films qui représentent les rapports amoureux comme ils sont dans la vie, et je me suis dit, ça pourrait faire un carton commercial, est-ce que tu pourrais me permettre de faire un tour de Void, et en plus c'est un film que je voulais vraiment voir. Le truc c'est que j'ai pas trouvé... c'est pas que j'ai même pas trouvé l'argent, c'est que je me suis dit, voilà, je vais le faire en 16 mm en français, et avec le succès potentiel de ce film, si j'arrive à le faire, peut-être que je peux faire Enter the Void. Je croise Vincent Cassel dans une boîte de nuit, je dis, tiens, j'aimerais bien tourner ce film, à tout petit budget, autoproduit, avec un garçon et une fille, et de préférence, chercher un couple préexistant pour faire le film. Du moment où j'allais commencer le casting, je croise Vincent Cassel, qui me dit, qu'est-ce que tu fais cet été? Vincent et Monica sortaient de succès comme Astérix et comme le Pape des Loups et plein de films. C'était le couple magique du cinéma français. Il me dit, oui, peut-être ça peut nous intéresser. Je dis, tiens, c'est bizarre parce que... Ils ont lu ces vidéos? Non, ils n'avaient pas lu, Oui. Et potentiellement, ils étaient intéressés de faire un film avec moi parce que j'ai aimé Seul contre tous. Et du coup... J'ai fait des trucs à l'envers. Avant de leur montrer le scénario, j'étais chercher des producteurs. J'ai dit, tiens, peut-être qu'on peut faire un mélo érotique avec Vincent et Monica. Bien sûr, les gens sur Canal, Richard Grandpierre et Rossignon qui avait produit La Haine,
se sont associés pour faire la coproduction. Sur le canal, ils disent voilà, un film érotique avec Vincent et Monica, on y va. Sauf qu'ils n'avaient toujours pas lu le scénario. Et le scénario, il faisait 5 pages, il s'appelait Danger. Et un jour, ils disent ah, c'est bon, on a le financement, on peut le tourner cet été. On peut commencer avec le scénario. Mais, effectivement, il faut faire lire de quoi il s'agit. Et le truc, il faisait 5 pages. Je l'emmène dans la boîte à lettres un soir. Le lendemain matin, il ne me rappelle pas. Je me dis ça sent cramé. Et pendant la nuit, je réfléchis, et puis finalement, je me rappelle dans l'après-midi, il me dit, tu sais quoi, on a beaucoup réfléchi, on n'a pas dormi, mais ça, c'est un projet qui peut-être... Enfin, ils ont tellement compromettant, mais ils disent, voilà, c'est un film qu'il faut faire, mais le... Tout ce qui nous reste dans notre vie, vu que célèbre comme on est, avec tous les stalkers qu'ils avaient, les mecs qui lui cassaient les couilles à elle, et les filles qui lui cassaient les couilles à lui, etc. On n'a pas envie de partager notre intimité. Et du coup, entre temps, j'avais réfléchi, du coup, on va faire un autre film, on va faire un film Désir et Vengeance comme Death Wish, raconté à l'envers. Je ne sais pas, et il n'était pas écrit. Et on a gardé donc le rendez-vous du pour déjeuner avec les producteurs le lendemain midi. Ils ont dit, vous êtes sûr? Oui. Et du coup, on a vendu un projet alors qu'il n'y avait pas une ligne d'écrite. Et tout le monde pensait que c'était une blague. Et la vérité, c'est que finalement, sur le canin de Richard le Vampire et le Rossignol, ils ont dit oui, on peut faire comme un autre film si c'est pas du bluff. Et on a commencé à préparer un film alors qu'il n'y avait pas une ligne d'écrite. Et j'ai eu 5 semaines pour écrire 3 pages de scénario et pour trouver le titre. Et on était en train de tourner. Et même à ce moment-là, il y a Dupontel qui est devenu aussi un autre personnage de cette histoire, qui n'y croyait pas, il est venu le premier jour de tournage. Il m'a dit oui, ok, je suis d'accord pour tourner, mais le premier jour de tournage il était passé. Quand on a la séquence de l'appartement avec Vincent Moncler, il ne croyait pas qu'on tournait, il dit c'est pas possible, il n'y a pas de scénario, il a trouvé le titre il y a 2 jours. Il y a six conséquences. Et du coup, en plus, il n'y avait aucun dialogue écrit, il y avait juste 12 scènes écrites. Et ce film-là, heureusement, il a été tourné comme ça dans l'urgence. Heureusement, il a été réussi, même moi, je ne pensais pas que le film serait réussi. Je me suis dit, il y aura des séquences qui vont marcher, d'autres pas. Mais j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de payer mon loyer et compagnie. Quand il y a des gens qui payent leur loyer de part, moi je paye mon loyer. Du coup, le film s'est fait, il a eu tout le succès. Un gros carton commercial. Gros carton, c'était un demi-carton commercial, mais par rapport à la nature du film, moi je pensais que le film n'allait jamais marcher. Et il y a des pays comme en Turquie, en Grèce ou au Mexique, où c'était le plus gros succès français de l'année. Malgré l'interdiction. Oh, les interactions, j'ai eu que du 16 ans partout, 16 ans, 18 ans, c'est sorti dans toutes les salles commerciales de 4 coins du monde. Et grâce à ce film, après, j'ai pu faire un tour de voyage. Entre-temps, le projet qui s'appelait Manger de la Sopata, j'ai fait un tour de voyage qui était dur à financer parce qu'encore une fois, le film, il n'y avait pas de référence commerciale préalable. Du coup, pour que les gens mettent 10 millions d'euros ou plus dans un film pareil, alors qu'il n'y a pas de référence de film qui a coûté 10 millions et qui a rapporté 15 ou 20. Heureusement que les gens de Wild Bunch m'ont suivi jusqu'au bout. Essentiellement, à l'intérieur de Wild Bunch, c'était Vincent Maraval et Brahim Chiwaf qui avaient vendu Irréversible et qui avaient gagné via Wild Bunch de l'argent. Ce qui s'est passé après, c'est que du coup, eux ont dit oui, on va le faire. Ça a pris du temps parce que, en plus, tourner un film au Japon, et je voulais tourner au Japon, c'était très risqué à cause des manières de travailler des Japonais et du cours du yen, etc. Et aussi que c'est un pays où tu dis voilà, il y a une trouille, c'est incontrôlable. Et si quelqu'un avait été arrêté sur le tournage avec un joint, il aurait fini en prison et le film aurait été arrêté et la science n'aurait pas couvert. Et voilà, il y avait plein de facteurs qui rendaient le tournage très risqué. Heureusement que après Pierre Buffin est devenu coproducteur du film, il a fait tous les effets visuels et il n'a pas gagné d'argent. De même que Wild Bunch n'a pas gagné d'argent, mais le film s'est fait. Ça a été un processus très long et pas douloureux, mais parce qu'il était joyeux, mais c'était un processus très long. Et le film il est sorti, encore une fois il était présenté à Cannes. Et aujourd'hui le film est plus connu aux États-Unis, en Angleterre. Peut-être aussi parce qu'il est en anglais, c'est que c'est des pays qui sont beaucoup plus portés défense et moins portés cul. La société latine. C'est un film qui t'installe aussi commercialement. C'est Irréversible qui m'installe commercialement. Après, quand on fait des films, dans mon cas,
te prendre jamais au classique du cinéma Cotem, s'ils ont marché ou pas marché, c'est le dernier des soucis d'un réalisateur. Mais c'est pas le dernier des soucis des mecs qui mettent de l'argent sur tes films. Et quand c'est pas des films préfinancés par Canal+, par des aides d'État, effectivement, il y a des gens pour qui faire ton film, c'est une joie et une douleur simultanément. Une fois que je suis sorti d'un Inter de Vrede, voilà, peut-être que mon nom est encore un petit peu plus collé, mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ce film que je n'ai pas fait à l'époque. Et du coup, le processus est un peu long, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de référence de film sentimental qui nous montre un peu les rapports sexuels de manière plus frontale ou les rapports affectifs de manière plus frontale. Et effectivement, à l'époque, on disait, oui, il faut parler de l'Empire des Sens ou de films comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. L'Empire des Sens, en plus, c'est un film qui finit très mal. Il baisse pendant tout le film et après, il coupe la bite. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai pas aimé le film. C'est pourquoi on ne peut pas faire un film qui représente les rapports sexuels d'une manière normale sans prendre la fille, finisse par lui couper la bite pour que ce soit considéré comme un film d'auteur. Du coup, je me suis dit, voilà, on y va. Et je pensais encore une fois à trouver un couple préexistant. Je n'ai pas trouvé de couple préexistant qui fonctionne, d'autant plus que je voulais que le comédien il soit de langue anglaise, parce que je voulais que le film soit en anglais, parce que je me suis dit, aujourd'hui, la langue du monde occidental, c'est l'anglais, c'est l'espéranto, et ça aurait pu faciliter le film si j'avais fait en langue française, mais en dehors de la France, le film se serait retrouvé au rayon film étranger. Tu as des films d'horreur, films érotiques, films d'action, films ceci. Et dans la plupart des pays du monde, tous les films étrangers, que ce soit le Moldovan, un film ukrainien, ou etc., ils sont tous mis dans le même rayon, c'est des films sous-titrés. Donc le choix de l'anglais, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment parce que le film est tourné à Paris aussi. Il est tourné à Paris parce que c'est ma ville et qu'à un moment j'utilise à Paris, je pourrais le produire. Mais aussi, le français, c'est pas ma langue maternelle. Je suis né en Argentine, j'ai grandi à New York, où je parlais anglais à l'école et je parlais espagnol. Et après, mes parents sont repartis en Argentine, j'ai parlé espagnol pendant 7 ans, et après ils sont venus en France. Du coup, j'ai appris le français à 13 ans, mais je ne tiens pas à défendre le drapeau français, alors que je n'ai même pas la nationalité. Et du coup, je me suis dit, voilà, pour le film, qu'est-ce qui est bien? D'autant plus qu'à un moment, je me suis déjà posé la question, est-ce que je vais faire le film en 3D? Et les films en 3D, quand ils sont sous-titrés, ça casse l'ambiance. Et en faisant un film 3D en anglais, tu te dis, voilà, peut-être qu'il y a un grand nombre de gens qui pourront le voir sans les sous-titres. Et pas perdre l'esthétique. C'est surtout que ce que tu gagnes avec la 3D, c'est un sentiment d'intimité que tu perds avec les sous-titres, parce que t'as l'espèce de logo qui flotte dans l'espace et qui casse le sentiment d'intimité. D'ailleurs, si vous avez la chance de voir le film un jour en 3D sans sous-titres, l'expérience est encore plus satisfaisante que qu'avec les sous-titres. Le choix des comédiens, c'est assez déterminant, parce que ce qui est frappant dans tes films, c'est comment tu filmes quand même le sexe, comment tu filmes les scènes d'amour, et comment c'est réussi à chaque fois. Et on se pose la question, mais comment il fait? Parce que les autres ne savent pas le faire, quand même, ou le font quand même nettement moins bien. Surtout qu'il faut le faire dans un contexte semi-intime, avec des gens qui sont intelligents, qui savent qu'ils font un film. Je pense qu'il n'y a rien dans le film qui choque qui que ce soit dans cette salle, ou même à part des vues critiques aigries, etc., qui sont gentils en compétition avec le jeune comédien. Le film, il n'y a rien de choquant, c'est pas un film provocateur. Les blessures narcissiques ou affectives de gens qui ont vraiment créé une histoire d'amour et qui se retrouvent comme ça, se tortiller dans un lit par manque de la personne aimée, bah c'est le lot de presque tout le monde. Comment tu choisis tes comédiens? Comment tu les as choisis? Que tu les choisis, des fois tu penses à des gens. Au départ, encore une fois, je pensais que l'idéal c'était de trouver un vrai couple un peu exil ou un ancien couple. Mais tu rencontres des gens et tu fais des tests, et à un moment tu dis, ouais, cette personne-là passe super bien à l'écran, cette personne-là est touchante. Mais dans la plupart de mes films précédents, j'avais pris plus de non-comédiens que de comédiens. On est à une époque où on n'est pas au théâtre, on est à une époque où les comédiens, ils n'ont pas besoin de se maquiller pour exister devant la caméra. Et en plus, on est à une époque où on peut tourner des films
en utilisant beaucoup de pellicules, sans écrire les dialogues au préalable. Donc, pour le coup, pour ce film, j'ai fait la même chose que j'avais fait pour l'Irréversible. On a improvisé tous les dialogues sur le plateau. Et voilà. Il y a plein de gens qui sont bons pour répéter de mémoire des têtes, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore plus charismatiques devant une caméra que dans la vie. Et on ne sait jamais à l'avance, avant de les avoir filmés, de les avoir rencontrés. Et après, c'est des rencontres qu'on fait. Le casting, tu vois, moi je passe jamais par des directeurs de casting. Tu rencontres des gens dans des bars, tu rencontres des gens dans des restos, tu rencontres des gens dans les écoles de cinéma, etc. Et quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui pourrait être bien pour un rôle ou pour un autre, pour un petit rôle, tu prends une photo, tu prends un numéro et tu fais comme ça. Et après, ça a été le cas ici. Et le comédien, il m'a été recommandé par une fille que j'avais rencontrée à Paris. Il m'a dit, ouais, tu cherches un anglo-saxon à Paris, j'en connais pas, mais il en connaissait quelques-uns. Il m'a dit, mais par contre, j'ai rencontré un comédien de New York qui habite à Los Angeles, qui adore tes films. Et du coup, j'ai skypé avec lui, on est sympathisé par Skype, puis on a quelqu'un qui était là-bas de le filmer. Et puis finalement, quand il me dit, tiens, le mec, il est vraiment cool. On lui a payé un billet d'avion, et puis il est venu, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Après, que ce soit pour des séquences de nudité, que ce soit pour des séquences de bagarre, que ce soit pour des séquences de comédie ou de dialogue, ou n'importe quoi. Il y a juste des gens qui comprennent au quart de tour ce que c'est que le jeu que de faire un film. On ne fait pas un documentaire, mais de l'autre côté, il ne faut pas faire plus bizarre que dans la vie. Il faut juste se comporter comme dans la vie. Et si tu dis aux gens, vas-y, tu racontes des blagues, effectivement, il y a plein de séquences qu'on a coupées dans le film, où je disais à Claire, vas-y, apprends toutes les blagues racistes que tu connais. Et on a une centaine qui est vraiment super trash, et du coup, il lui a tout donné. Et après, il a raconté toutes ces blagues à Electra, et on les a toutes filmées, et elles étaient drôles, mais dans le film après, ça ne marchait pas. Mais effectivement, quand tu le voyais raconter toutes ces blagues racistes à Electra, il y a des moments où c'était drôle, parce que tu voyais qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Et voilà, quand tu dois faire pleurer quelqu'un, des fois, tu dis à la personne, attends de sortir le couteau à la dernière seconde, et quand la caméra tourne, tu sors une phrase qui peut faire pleurer. Mais chacun sait comment il se comporte dans la vie. Quand tu es derrière une caméra, c'est les mêmes types de rapports que tu as dans la vie. Tu sais qu'est-ce qui fait que les gens rigolent, tu sais qu'est-ce qui fait que les gens pleurent, tu sais ce qui fait que. Et eux aussi ils savent. Et du coup, comme en plus on tourne avec une caméra 3D qui était très lourde, et que je ne voulais pas que l'assistant caméra ou les assistants caméra viennent sur le plateau tout le temps, on n'arrêtait pas la caméra. Des fois, on a tourné des prises de 50 minutes, on a fait genre 30 versions différentes à la queue leu leu, avec des intros d'eux ou avec moi qui leur disais. Des fois, il y avait moi qui leur chuchotais ou qui leur disais des trucs depuis derrière la caméra, en français quand c'était pour Electra, et en anglais quand c'était pour lui. Du coup, effectivement, des fois, ils faisaient semblant de ne pas m'entendre, ils répétaient des trucs, mais sinon, des fois, ils apportaient tous leurs trucs. Et après, tu te retrouves un peu à monter le film comme un documentaire, où tu as tellement de possibilités que ce qui est génial, c'est que les choses sortent de manière assez fraîche de la bouche, mais le film a beaucoup changé. Il n'était pas censé être comique pendant que je l'ai tourné. Peut-être parce que Cara, il est un peu drôle, et effectivement, il rajoutait plein de trucs. Surtout aux États-Unis, quand le film passait, les gens se pitonnaient de rire quand tout le film. J'avais l'impression de faire de partie avec Peter Sellers. Je travaille toujours avec le même chef-op, je crois. J'ai eu la chance qu'il soit encore disponible. Souvent, tu travailles avec des gens Benoît qui sont disponibles. Benoît Deby, avec qui j'ai fait Irréversible et avec qui j'ai fait Enter the Void. C'est un gros travail sur la lumière quand même. Tu dis que c'est comme dans la vie, mais quand même, quand tu filmes les plans, tu veux dire c'est quand même très très léché. On a cadré les séquences ensemble, d'autant plus que le film il est très fixe. Sur la première semaine, on avait deux caméras, sur la suite, on a eu une seule caméra. Mais on a filmé on a fait le film en choisissant les cadres ensemble. Après la lumière, on essaie de faire au plus simple. Et souvent, c'est les lumières les plus simples qui sont les mieux. Et le truc génial avec Benoît, c'est qu'il a un sens de la direction de lumière, un sens des couleurs qui est incroyable. Et du coup, mon travail avec lui, c'était aussi de voir est-ce que c'est mieux que le mur soit rouge ou rose, est-ce que les vêtements. C'est lui qui cadre ou c'est toi qui cadre? Sur le dernier, on a fait ensemble, on discutait, etc. Mais c'était des plans fixes, donc je cadrais et disais oui, c'est... Et mais le. Sur Inter de Void, c'est moi qui cadrais, sur les Irréversibles, c'était moi qui cadrais. Mais le. De facto,
de facto, le film, c'est des plans statiques, et aussi les cadres étaient souvent recadrés en post-prod parce que, vu qu'on tournait beaucoup, j'ai aussi, si tu hésites entre un cadre plus large et un cadre plus serré, l'avantage de tourner avec des caméras numériques, c'est que tu as assez de pixels pour zoomer dedans. Et du coup, j'ai dit, voilà, il vaut toujours mieux cadrer un peu plus large, et après on peut resserrer. Mais par contre, il y a un truc qui était presque impossible avec un tournage en 3D, c'est que le système de caméra était tellement lourd qu'on avait prévu des plans en steadicam, et dès le premier jour on a fait du steadicam, il tombait à genoux au bout d'une minute, il y avait des steadicam, et c'est parce que la caméra était lourde, en plus elle était mal équilibrée, et du coup j'ai enlevé beaucoup de plans qui étaient censés être en mouvement, et je les ai rendus fixes, d'autant plus que j'étais sûr depuis le départ que si je faisais le film en 3D, je voulais pas de caméra portée, parce que la caméra portée, ça, c'est nauséeux entre nous. Et si vous voyez le film en DVD ou dans des salles 2D, c'est exactement le même film, mais c'est comme voir le film. C'est comme si vous avez une musique qui est mixée en stéréo, vous l'écoutez en mono. Il y a des bonnes écoutes, des mauvaises écoutes, mais on peut l'écouter en mono dans un taxi, et ça marche aussi bien. Le film ne change pas, c'est juste, c'est encore plus émotionnel. Si vous le voyez en 3D sur le monde. On va préparer l'extrait. Non, on n'aura pas le temps. Beaucoup de monde, je pense, ouais. Que ça ne sera pas agréable. Ouais. Pour... Alors, une question. Ouais. Dans le film Under the Void, le personnage principal est toujours debout. Et la seule fois où on voit de face, c'est dans son miroir. Et je voulais savoir quelle signification exactement vous y apportez. Est-ce que ça, c'était important? Non, c'est que le début du film, c'est en vision subjective. Et si le film commence. Passe des yeux d'un personnage, de ce moment où le personnage peut se voir, c'est soit en photo, soit s'il regarde une vidéo de lui-même, soit devant le miroir, et du coup, c'est normal que quand il va devant le miroir, on en vision subjective, on le voit. Après, à partir du moment où il se fait tirer dessus, il est dans ses souvenirs ou dans ses fantasmes, et la réalité, c'est que quand on rêve, on n'est pas en vision subjective, quand on pense à son passé, en tout cas dans mon cas, j'ai l'impression de voir une espèce d'ombre floue dans le cadre, à droite, à gauche, au centre, et je me dis, voilà, c'est comme ça que le cerveau recompose le passé, recompose le futur, ou des mondes parallèles. On ne rêve pas vraiment en vision subjective, j'ai pas essayé, en vous réveillant, de vous souvenir graphiquement comment était le rêve. En général, on est une ombre à l'intérieur du cadre, ou presque une ombre qui n'est pas noire, mais une ombre qui est comme abstraite. Autre question? Ouais. Bonjour. Il y a une phrase qui est culte, c'est le temps détruit tout. C'est pas moi. Je ne sais même plus qui c'était. C'est une phrase latine, tempus et dax rerum. J'avais failli la mettre comme titre d'irréversible. D'accord. Ouais, c'est ça en fait. Quelle est votre intention dans Irréversible avec le temps détruit tout? Est-ce que c'est le montage? Est-ce que c'est quelque chose? Non, c'est la vie. Hein. Tout ce qu'on vit, ça s'appelle plus derrière. Oui, et tout ce qu'on. C'est le temps qui crée et qui détruit tout. Mais tu peux dire l'inverse, le temps construit tout aussi, ou le temps révèle tout. Et c'est des phrases complémentaires qui sont toutes les deux vraies. Juste, je me suis dit, c'est plus dramatique si tu veux faire une fin lapidaire de marquer le temps détruit tout, tu vas pas marquer le temps révèle tout à la fin d'un film aussi possible. Les deux sont pas. Profession. Bonjour. J'ai pu lire que vous vouliez faire un documentaire. Ouais. Donc, question pourquoi vouloir arrêter la fiction pour plier ouais, la fiction, c'est juste qu'à un moment, quand tu fais des films de fiction, tu cherches des gens pour interpréter les personnages que tu as en tête, tu peux écrire des dialogues qui viennent pas de leur bouche, mais tu les forces à dire des choses qui ne sont pas de leur nature, tu te retrouves aussi à chercher des décors parce que tu as une idée de quoi en tête. Non, c'est très bien, je ne veux pas arrêter la question. C'est juste que je me dis que tu peux faire des films encore plus forts si tu arrives à trouver un sujet vraiment fort et tu prends le temps de filmer des gens dans leur drame, quand tu connais rarement la résolution. Mais si j'avais fait un petit court-métrage en Afrique comme ça, je me suis dit, tiens, je me suis dit, je vais faire un drame. Mais si tu fais sur une longue durée, une histoire vraie, avec des gens vrais, je pense même que le public est le plus affecté parce qu'ils savent que tout ce que tu vois à l'écran, c'est pas la simulation. Là, sur le film, il y a des choses qui sont simulées, qui ont l'air vraies,
exprimer. Voilà, les gens, ils ont envie d'y croire. Sur Irréversible, les actes de violence étaient totalement simulés. Les gens, ils ont envie d'y croire, mais à la fois, tu sais que c'est simulé aussi parce que tu sais que c'est un film narratif avec des comédiens parfois connus ou pas. Mais quand tu fais un documentaire, les gens partent du principe, rien n'est truqué. Et bien sûr que tu peux truquer des trucs sur un documentaire. Bien sûr que tu peux donner de la musique, bien sûr que tu peux faire des effets visuels qui dramatisent telle ou telle séquence, ou des effets de montage. Mais je pense qu'effectivement, c'est dans la tête du spectateur qu'un documentaire est tout vrai et un film de fiction est tout faux. Et je me suis dit, est-ce que j'arriverais à faire un truc encore plus sentimental ou encore plus émotionnel avec un documentaire? Je pense que oui. Mais après, il faut trouver vraiment le bon sujet. Et aussi, c'est que l'écriture, tu peux pas la préprogrammer. Tu peux réécrire une histoire a posteriori, mais tu peux pas. C'est plus risqué pour le réalisateur, mais à la fois c'est plus palpitant parce que tu pars à deux, trois personnes dans un monde que tu connais pas et tu essaies de saisir la réalité et la rendre plus grande que ce qu'elle est. On va s'arrêter là. D'ailleurs, il y a un exemple de réalisateur qui, dans le travail, me fascine plus parce que les documentaires que parce que les fictionnels, c'est Herzog. Quand tu vois une 2D Abyss, waouh, le film. Pour moi, il est plus puissant que tout ce qu'il a fait en cinéma narratif. On s'arrête là parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde pour la dédicace. Merci Gaspard pour la petite discussion assez courte, trop courte. La dédicace à la table ronde, donc vous mettez bien en file d'attente.